Comment utiliser vos unités ActiveVote en mode direct? Une seconde capsule de la série Les têtes actives pour savoir comment travailler avec ce périphérique. Si vous désirez utiliser vos ActiveVote en mode direct, ce qui signifie que vous ne préparez pas vos questions à l'avance, je vous suggère fortement dès le début du cours d'installer votre unité ActiveVote sur une prise USB de votre ordinateur. Ensuite, vous devez distribuer une unité ActiveVote à chacun de vos élèves. Finalement, directement sur votre tableau, vous inscrivez la question que vous désirez poser à vos élèves. Par exemple, je pourrais à l'aide du stylo indiquer quel est le nom de la province, indiqué par un point orange. Ensuite, j'inscris les trois choix de réponse. Au moment que je désire activer le vote, je vais dans la boîte à outils principale, je sélectionne Menu principal, ensuite Outils et finalement Express Poll. Sur mon paperboard, je peux voir apparaître l'outil Express Poll. Je peux, à l'aide du curseur, le déplacer à l'endroit voulu. Maintenant, dès que j'apporte le curseur au-dessus de cet outil, je peux voir ici deux options. Donc, si mes choix de réponse, c'est des oui, des non, ou bien un vrai ou faux, donc je sélectionne cet outil. Sinon, comme dans mon exemple, je vais vis-à-vis l'icône « Choix multiples ». Présentement, j'ai laissé trois choix, donc je vais vis-à-vis « AAC » et j'apporte le curseur plus haut et je clique. Je peux voir apparaître ici, à droite de mon Express Poll, une nouvelle fenêtre. Dans cette fenêtre, il m'a indiqué que j'ai bien choisi « Choix de réponse multiple » de A à C et j'indique à mes élèves que je m'attends à avoir qu'une réponse. Je peux aussi, à l'aide des flèches ici, indiquer un délai à mes élèves. Donc, si je clique, je peux voir apparaître ici le temps de la réponse. Je peux cocher ici l'outil, donc cliquer dessus pour mettre en pause, ou bien le mettre ou le réactiver. À l'aide du bouton à gauche, je peux arrêter ou recommencer le vote à tout moment. Je peux voir aussi en haut de ma fenêtre que j'ai trois élèves dans ma classe. Je peux mettre des élèves absents. Donc, si l'élève 2 est absent, à l'aide du curseur, je clique sur l'élève 2. Donc, on peut voir ici que je viens d'assurer le nom. Donc, pendant le vote, je n'attendrai pas la réponse de cet élève. Maintenant, je peux aller cocher à nouveau pour le réactiver. Comment les élèves doivent voter? Donc, chaque élève a son unité ActiveVote. Présentement, il y a trois choix. Donc, à l'aide de son doigt, l'élève doit cliquer soit sur le A, sur le B ou sur le C. Au moment que l'élève choisit sa réponse, on peut voir en haut, vis-à-vis son nom, que maintenant c'est jaune. Donc, l'élève 2 a répondu. Maintenant, si un autre élève répond, je peux voir ici que l'élève 3 a répondu. Maintenant, au moment que tous les élèves de la classe ont répondu, vous allez voir apparaître la nouvelle fenêtre « Résultats de vote ». Vous pouvez aller voir la capsule « Analyse des résultats de vote » pour avoir plusieurs explications pour savoir comment travailler avec cette fenêtre. Maintenant, quand le vote est terminé, vous allez pouvoir constater à la fin du paperboard, vous allez toujours avoir une photo de votre question. Ensuite, vous allez voir aussi en haut dans la boîte ici, l'icône « Résultat de vote ». Donc, je peux cliquer dessus pour voir apparaître le navigateur de vote. Ici, j'ai toujours accès en double-cliquant à la fenêtre « Résultat de vote ». Donc, je peux enregistrer mon paperboard et le lendemain ou le soir, l'ouvrir
et avoir accès toujours aux résultats des votes pendant ma classe et ainsi pouvoir analyser et ensuite aider mes élèves. C'était une capsule de la série Les têtes actives. Mon nom est Nadine Tanguay, coordonnatrice au développement pédagogique des produits Promethean et Classe Canada. Vous pouvez poser vos questions sur le Facebook Syllabe Interactif ou aller voir les autres capsules sur la série Les têtes actives, dont les capsules qui concernent les ActiveVotes.